Du coup, je peux faire un launch control. Oui, bah oui. Ah oui, oui, bah oui, bah comme sur toutes les mécanes. Tu fais comment? Ah. Ready to launch. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas, des meufs. Oh, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. La reprise. Oh, par contre, la porte. Elle est incroyable. Hop là, fin. C'est torché en deux, tellement il est rapide. Bon, et bah bonjour à tous et bienvenue sur la Ducati Panigale V4. Je pense que vous êtes content de l'avoir étant donné le nombre de personnes qui me l'ont demandé. On est donc sur avec la ligne complète des Kata full tube, 224 chevaux pour 198 kg à peu près. C'est une bécane qui a rien à foutre sur la route. Comme il le dit lui-même, c'est le sommet de la chaîne alimentaire, ça atomise tout ce qui roule. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. On a derrière une M1000 RR. Le bruit il est incroyable. C'est un 1100 cm3, 4 cylindres en V, c'est incroyable. Du coup on est directement sur l'autobahn. Il faisait nuit avant, j'ai la bécane pendant très peu de temps, donc on part direct sur le test. Merci à Adrien qui me la prête, qui vient de Paris pour me la ramener. Vraiment merci à lui. Je vous mets son compte Instagram en description de la vidéo. Et là on est parti. On attend qu'il n'y ait personne. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça monte. Ça déménage. Même en sixième. Le V4. Incroyable. On est déjà au deuxième launch. Là on va tester de partir en launch control, voir si on gagne du temps ou pas. Et maintenant j'ai le droit de faire un ou deux launch control avec. Ça faut pas me le dire deux fois. On a un shifter up et down qui est violent de ouf. Hop là, on est reparti par ici. Donc là en gros j'appuie juste sur launch control. Normalement il y a un bouton spécial. Ça marche pas. Fais comment? Je sais pas comment on fait pour mettre les launch control. Appuie là sur entrée. Ah. Ready to launch. Ouais mais ça marche pas. Ça marche pas des masses. Bah, j'ai pas compris comment ça marchait mais bon tant pis hein. Moi je suis en plaquette racing par contre. Donc en fait ça freine bizarrement. Genre si c'est froid ça freine pas et puis dès que ça devient chaud, ce qui paraît ça prend un grip de ouf. Et vu que là en fait on fait bah, que de la ligne droite, ça marche pas. Ouais je vais faire des départs normal hein, je capte rien. Il me dit lâche l'embrayage, accélère, je le fais, ça clignote rouge partout, j'ai rien compris. De toute façon, tout le monde me le dit en commentaire, on part toujours plus vite à l'embrayage plutôt qu'au launch control. Mais le launch control je l'ai fait juste par plaisir pour les oreilles. Mais là bon le bruit il était pas spécialement ouf en fait en launch control donc bon. Il arrive à suivre avec les millénaires derrière là. Attends, on va voir après. Là, c'est la rentrée, fin des vacances. Il y a beaucoup moins de monde sur l'autobahn. C'est un bonheur. Comme les gens ils disent sur Facebook, oh là là, je mets tout le monde en danger là. Il y a full, c'est incroyable. Il y a énormément de monde là, comme vous pouvez le voir. C'est. Oh, il y a des bouchons et tout. Et le bruit du shifter quand on passe les vitesses, j'espère qu'il est bien enregistré parce qu'il est complètement fou. Il est violent, c'est incroyable.
incroyable, c'est d'une violence, c'est un truc de fou. Là, fin. C'est torché en deux, tellement il est rapide. J'espère que la vidéo vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à la partager, la liker et vous abonner.